Déjà pleine. Oh non. Oh. J'ai rendez-vous à 10h. Il est 9h et j'ai une heure de retard. Ouais. Parce que je viens toujours avec 2 heures d'avance, parce que je m'assois toujours sur la même chaise. Celle qui est là-bas au fond. Il y a quelqu'un dessus. Oh. Et moi, j'aime pas m'asseoir sur les autres chaises parce que j'ai peur. Le docteur Mariano me suit déjà depuis de nombreuses années, oui, parce que je souffre d'un dédoublement de la personnalité. Au début, je savais pas ce que ça voulait dire, mais il m'a expliqué. Oui, parce que j'ai des moments, des périodes plus ou moins longues, et bien je deviens quelqu'un d'autre. Oui. Une fois, j'ai été président de la République. Ça a toujours fait rire. Une autre fois, j'ai été croque-mort. C'était l'été, il faisait très très chaud et je suis allé au jardin du Pamplemousse me promener le long du lac. Il y avait des familles sur l'herbe, des enfants jouaient avec des cerceaux, et moi je marchais tranquillement. Oui. Et là, derrière un buisson de bambou, il y avait un homme. Il était allongé, il ne bougeait plus. Il avait son chapeau, sa veste, ses chaussures posées à côté de lui. Oh. Il était mort. Et moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis mis à genoux et je lui ai croqué le gros orteil. Il n'était pas mort. Mais il était très en colère, alors il m'a insulté, il m'a attrapé, il m'a soulevé, il m'a lancé dans le lac, avec les flamants roses. Oh, je suis allergique à la plume. Une autre fois, je me suis réveillé et j'étais devenue une dame.
une dame de petite vertu. J'ai volé des robes et des chapeaux à ma mère et je me maquillais outrageusement. Oui, c'est... Oh là là. Mais quand je sortais dans la rue, les dames m'insultaient et les hommes me faisaient des gestes obscènes. J'ai eu très peur. Le docteur Mariano, oui, me dit que je suis un patient incurable. Oui. Un jour, il avait de l'humour et il m'a même dit que je ferais mieux de faire du théâtre. Vous venez consulter le docteur Mariano? C'est vrai, il y en a quelques-uns qui en ont besoin. Mais je ne dirai pas qui. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, voilà. Vous entrez par ici et vous venez vous allonger là sur la banquette. Voilà. Il ne faut pas se déshabiller. Hein. Et le docteur Mariano, lui, s'assoit ici. Voilà. Et... il vous écoute. Moi, il y a des fois, il n'y a aucun mot des sorties, rien du tout. Pendant une heure, rien. Et à la fin de la séance, le docteur Mariano m'a dit « C'est parfait, à la semaine prochaine. » C'est pour ça que c'est long. Alors, par ici, c'est un escalier qui monte aux appartements de Madame Laurence, oui, l'épouse du docteur Mariano. Oui. C'est une très belle femme. À son service, il y a la bonne Vanina. C'est rigolo. Je l'aime beaucoup parce que elle, quand je la croise dans l'entrée, elle me fait de grands sourires. Et puis moi, j'aime bien ça. Là, c'est la secrétaire. Oui, Mademoiselle Berthier. Ça y est, dès que je la vois, j'ai les poils qui se mettent debout. Elle m'angoisse, oui. Ça fait des années que je viens ici et elle me dit toujours la même chose, oui. Retournez à votre place et attendez votre tour. Mais moi, j'aimerais bien qu'elle me dise autre chose. Je vais vous dire un secret, mais il ne faut pas le répéter. Oh là là, c'est pas facile à dire, mais voilà. J'aimerais bien faire l'amour avec elle. Oui.
mais je ne sais pas comment on fait. Oui. Tu t'appelles comment? Sylvie. Ah oui. Écoute, Sylvie, est-ce que tu voudrais m'apprendre à faire l'amour? Pas aujourd'hui. Hé, hey, vous, ça suffit maintenant. Vous retournez en salle d'attente et vous patientez comme tout le monde. Bah, oui, mais il n'y a pas de place. Bah, vous cherchez, vous trouverez. Oh là 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 là. J'y vais, moi, alors. Grâce à quoi? Mais grâce au prêt que vous allez lui accorder, chère madame. Enfin, comment ça, c'est une honte? Ben, vous devriez être contente. Il vous devait 10 000 et il vous devra bientôt 25 000. Ben, moi, ça, c'est ce que j'appelle être un bon client. Ah non, 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 vous ne pouvez pas lui refuser ce prêt. Pourquoi? Mais parce que dans le Crédit Commercial de Paris, il y a crédit, chère madame. Bon, il y a commercial, c'est vrai, maintenant vous le dites. Le docteur n'est pas encore arrivé, madame. Je vous dis qu'il n'est pas arrivé. Oh. Bon, j'attends depuis une demi-heure. Oui, mais ça, c'est exprès. Mais non, ce n'est pas exprès, ce découvert, madame. C'est exprès? Oui, c'est exprès. Mais non, ce n'est pas exprès. Je ne comprends pas. C'est exprès ou c'est pas exprès? Mais enfin, c'est pourtant simple. Pour vous, c'est exprès. Oui, et pour vous, ce n'est pas exprès. Le docteur me fait attendre exprès. C'est un test. Oui, un test se découvert parfaitement. Oui, pour tester les reins de votre banque, oui. Oh oui, je sais. Le docteur veut vérifier si je peux résister à la frustration. Hé, hey, ça, pas la peine de vérifier, hein. On en est tous déjà convaincus. Ça fait partie de la cure, hein. C'est thérapeutique. Oui, thérapeutique, oui. Maintenant que l'on sait que votre banque peut supporter 6 mois de découvert, eh bien, on a décidé de rester client chez vous, oui. Ah, vous n'avez pas l'air très enthousiaste. Mais enfin, vous n'avez pas vu la petite lumière? Mais quelle lumière? Quelle lumière? Mais enfin, la lumière qui jaillit au bout du tunnel. Oh oui, 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 je la vois à chaque fois que je vois un docteur. La lumière au bout du tunnel, c'est une image pour exprimer une sortie de crise, un renouveau. Bah, écoutez, le docteur a mis au point un nouvel appareil. Je ne peux pas encore vous en parler, mais ça va être. Ça va être. Bon, écoutez, dès qu'il revient, il vous rappelle. C'est ça. Au revoir, madame. Et toutes mes amitiés au service recouvrement et contentieux, hein. C'est ça, au revoir. Bon, et vous, vous sortez maintenant. Excusez-moi, madame Berthier. Mais enfin, Vanina, vous n'avez pas vu la petite lumière? Quelle lumière? Mais il est là, il est là. Eh, dites-lui de se dépêcher. Au docteur? Bah oui, enfin pas le pape. Ah, il est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là? Il est sorti. Ah, une course urgente? Il est sorti hier soir. Une course urgente hier soir? Une course urgente hier soir? Bah oui, il est sorti hier soir lorsque je quittais mon service et il n'est toujours pas rentré. Madame s'inquiète. Madame? Mais madame Mariano, elle se ronge les seins. Enfin, mais je croyais qu'elle allait voir sa vieille peau de tante. Sa vieille tante de peau dans le Béarn. Dans le Béarn? Ma grève surprise. Des trains? Exact. Oh, une grève des trains. Voilà qui est surprenant.
Monsieur ne devrait pas découcher comme ça. Oh, Mariano découche? Oui. Oh non, voyons, mais non. Que les choses soient claires, hein. Si nous devons faire affaire ensemble, j'attache une grande importance à certaines valeurs. Et je n'admettrai en aucun cas que ce Mariano s'amuse. Mais non, voyons, mais non, il est là. Il est là? Mais oui, il est là. Oh, mais il est là. Il faudrait savoir, il est là ou il n'est pas là? Mais puisque je vous dis qu'il est là. Il est là, docteur? Oh, mais quelle étourdie, cette famille-là. Bon, oh, une explication claire, c'est dans vos cordes. Mais bien sûr, madame de Marcy, nous connaissons vos principes. Et comme je vous l'ai déjà dit au téléphone, le docteur Mariano est fils de catholique. Oh. Petit-fils de catholique. Oh. Catholique lui-même. Oh. Baptisé. Oh. Catéchisé. Oh. Confirmé. Reconfirmé. Enfin bref, garantie 100% catholique. Oh. Alors, j'aime autant vous dire qu'ici, on ne plaisante pas avec le domicile conjugal. Oui, enfin, oui, je veux dire que... Oui, enfin, pour vous dire la vérité, le docteur Mariano a passé toute la nuit à baiser. Oh. Jésus-Marie-Joseph. Non, le docteur Mariano a passé toute la nuit à baiser. Oui, oui. C'est ça pour... dans l'intention de ramonner un maximum. Oh. Dans l'intention de ramener un maximum de fellation. Oh. 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 Non, pour ramener un maximum d'informations au sujet de... Au sujet de... Oui, au sujet de la découverte d'un grand frère, oui. Oui. Il est rentré tard, mais il arrive bientôt. Bah, écoutez, en attendant, je vais vous présenter le slip. Ah oui, tout de même, tout de même. Vous souhaitez peut-être que je parte? Ah, mais non, au contraire, vous allez nous aider. Mais à quoi? Mais enfin, vous aviez rendez-vous, non? Eh bien, le docteur Mariano vous a prescrit un traitement préliminaire. Un traitement? Non, c'est sans douleur, ne vous inquiétez pas, et ça va vous apporter un réel confort, vous verrez. Bien, Madame de Marcy, permettez-moi tout d'abord d'insister sur la confidentialité de notre entretien. Là, le brevet a été déposé, mais la discrétion reste de mise. D'accord? Bien, auparavant... Allez. Auparavant, pour hypnotiser son prochain, il fallait soit un don, soit une réelle formation. Eh bien, grâce au Sleep Fast, hypnotiser son prochain est devenu à la portée de n'importe qui. Ouh, curieux comme objet. Oh, ça me fait penser à... Mais comment ça s'appelle déjà, madame? Peut-être vous savez. Donc, dès que je dirai le mot macaroni, eh bien le sujet tombera dans un sommeil profond. Et pourquoi macaroni? Enfin, ce mot ou un autre, peu importe. Bon, donc j'active l'appareil, une pulsion. Oh. Attention, une deuxième pulsion. Voilà. Attention, macaroni. Mais c'est quoi ce truc? Oh, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle dort. Elle dort? Oui, et dans un sommeil profond. Oh. Elle est dans un état d'hypnose totale. Bah, appelez-la, vous verrez. Madame? Madame? Oh, non. Mais c'est pourtant vrai. Et je peux vous assurer qu'elle ne ressent plus rien. Ah, regardez. Oui. Hop là. Oh. Oh, je peux? Enfin, allez-y. Oh. Ah, bon, mais écoutez, quand même. Une fessée, c'est une chose. Une opération, c'en est une autre. Enfin, mais ce n'est qu'une démonstration. Le docteur a fait de nombreuses expériences qui prouve l'efficacité du Sleep Fast. Ah oui, mais comment cela fonctionne-t-il? Oh là là, c'est compliqué, hein, une histoire d'onde magnétique, mais ne m'en demandez pas trop. Le docteur vous expliquera dès qu'il sera rentré. Enfin, dès qu'il aura terminé son petit déjeuner. Voilà. Bon, maintenant nous allons sortir le sujet de sa transe, donc toujours pareil, une pulsion. Une deuxième pulsion, tac tac tac. Attention, cacahuète. C'est l'ange de Dieu.
vous avez dormi. Moi? Oui. Vous nous avez entendu? Ah, eh bien non. Vous avez senti quelque chose? Non plus. Bon, allez la faire asseoir. Oh, c'est extraordinaire, Berthier. Vous savez que nous sommes en concurrence avec la clinique Saint-Antoine. Ah, Saint-Bernard contre Saint-Antoine. Une lutte ancestrale. Mais amicale. Oh, n'empêche. Oh, ça me ferait plaisir de leur damer le pion à ces putains de jésuites. Oh, oh, Dieu me pardonne. Oh, oh, oh. Vous imaginez les retombées financières de votre petite machine dans notre établissement. Oh. Avec Sleepfast, plus besoin du service d'anesthésie. Oh. L'amputation d'une jambe. Sleepfast. Le docteur est en consultation, mais enfin, vous ne l'aviez pas vu? Le panneau? Mais non, la lumière! Il n'y avait pas de lumière, hein? Pas de lumière! Il n'y avait pas de lumière, hein? Pas de lumière, vous comprenez? Oh, ensuite, l'ampoule est encore grillée. Pas de lumière. Oui, ben, j'ai compris. Mais vous êtes déjà là? Bon, enfin, il est 9h45. Oh, si tard!
Ah, comme le temps file à votre compagnie. Le temps file encore plus vite lorsqu'on a rendez-vous avec Madame Marie-Thérèse de Marcy, directrice de la clinique Saint-Bernard. Au nom de Dieu! Je vous préviens, évitez ce genre d'expression devant elle désormais. Elle arrive à quelle heure? Mais elle est partie depuis 5 minutes. 5 minutes? Oh non! Et elle a adoré le slip fast. Vous lui avez fait une présentation? Ah, Berthier, décidément, je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Comment vous remercier? Oh, docteur, vous le savez bien. Ah non, Berthier, vous n'allez pas remettre ça! J'adore les séducteurs. Vous m'êtes indispensable et on ne va pas tout gâcher pour une histoire de... Enfin, on peut très bien concilier amour et travail. Ah non, croyez-moi, j'ai assez d'emmerdements comme ça. Hein. Ah ben c'est comme ça que vous me voyez, vous, une emmerde. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Alors toi, mon petit père, tu perds en rien pour attendre. Je te veux, je t'aurai. À ce propos, il y a la banque qui a appelé également, il faut absolument... Oui, je sais, mais... Mais si Saint-Bernard m'achète le slip fast, ça va m'ouvrir tout le marché catholique. Il ne me reste plus qu'à convaincre Michel de m'avancer les fonds, et c'est la fortune. Bah, vous feriez bien d'aller voir votre femme ici. Ma femme? Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Ma femme est là? Mais elle est partie pour 3 jours à Pau. Eh ben oui, elle n'a pas pu partir, grève des trains. Grève? Oui, depuis hier soir, 19h. 19h? Bah oui, docteur. Avec les cheminots, on ne plaisante pas avec les horaires. Hein. Les grèves commencent toujours à l'heure. Alors là, si les trains se mettent à faire grève, c'est la fin de tout. Hein. De toute façon, je ne pouvais pas passer la nuit sans elle. C'est notre anniversaire. 3 semaines qu'on s'est rencontrés. Là. Ça se fait, hein? Oh. Un prix pour vous, monsieur. Merci, Vania. Dites donc, monsieur, la nuit a été bonne? Oui, allez, disposez, Vania. C'est elle. Merci pour cette nuit torride et inoubliable. Cette petite diablesse fait de moi ce qu'elle veut. Quel emmerdement! Enfin, je veux dire, quel dommage, hein! Où as-tu passé la nuit? Hein? Où as-tu passé la nuit? Oui, mais je suis pas sourd! Où j'ai passé... T'as pas reçu mon mot? Non! T'as pas reçu mon mot pour te dire que j'allais chez Bourassol! Bourassol? Tu te souviens, ça fait des mois qu'on n'avait plus de nouvelles de Bourassol. Non. Eh bien, moi, maintenant, je sais pourquoi. Il est très malade, Bourassol. Ah, et tu y as passé toute la nuit. T'imagines même pas dans quel état il est, ce pauvre Bourassol. Vraiment? J'ai même dû le veiller. En smoking? Avec Serpentin et Cotillon? Mais en smoking! Bourassol est dans un tel état que la moindre émotion le tuerait. Alors, pour atténuer la gravité de la situation, on a organisé une petite soirée chez lui avec des confrères. Voyons. Une sorte de consultation médicale collective, si tu préfères. Et en smoking. Alors, on a bu, on a ri, on a dansé, on a chanté. Enfin, toujours pour atténuer la gravité de la situation. Bien sûr. Et puis, tout en dansant, on s'est mis à chanter. C'est le cancer du pancréas. C'est le cancer du pancréas. Il en mourra quoi qu'il en fasse. Psychologiquement, on pouvait pas lui annoncer la nouvelle de manière directe. Un peu dignité, Laurence, quand même. Ah, donc je suppose qu'il est perdu. Complètement perdu. J'ai même commandé le cercueil. Oh, rien que ça. Monsieur Bourassol. Ah! Je vais le tuer. Malade, hein? Moi? Mais pas du tout.
Monsieur Bourassa. Mais quelle surprise. Vous allez bien, dites-moi. Oui, ça peut aller. Ça peut aller, ça peut aller. C'est toujours souligné dans ces moments-là, mais crois-moi, c'est pas fameux. C'est même très préoccupant et c'est même mauvais. En fait, c'est irrémédiable. Taisez-vous, je vous dis que vous êtes malade. Mais pourquoi veux-tu que Monsieur Bourassa soit malade, puisqu'il te dit lui-même? Ouais, mais c'est pas tout, il est pas médecin. Je te dis qu'il est condamné. Moi, hein? Je suis condamné. Ben oui, mais seulement on a préféré vous cacher la gravité de la situation, voilà. Oh, mais qu'il en crève, mais qu'il en crève. C'est vrai que ces derniers temps, je me sens un peu patraque. Tu vois, il se sent patraque. Oui, et c'est même pour ça que mon mari a passé toute la nuit à votre chevet. Oh non! Il a passé la nuit à mon chevet, lui? Mais il paraît! Mais évidemment, vous ne vous en souvenez plus. Laisse Laurence, tu vois bien, ce pauvre homme nage en plein délire. Mais vous allez là, vous calmer. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors jusque-là, j'avais des doutes. Mais maintenant, j'en suis certaine. Il me trompe. Je suis pas. Au fait, tu as parlé à mon père concernant le fait. Il est censé passer tout à l'heure, oui. Eh bien, moi, vivante, cet argent, tu ne l'auras pas. Mais pas de blague, Laurence. Cet argent est important pour le développement du CIPAS. Bon, qu'est-ce que vous faites là, vous? En fait, j'étais venu. Mais ça n'a plus d'importance, docteur. Alors, dites-moi la vérité. J'ai foutu. Hein? Et il me reste combien de temps? Hein, moi? Mais non. Hein? Moi? Quel jour? Écoutez, c'est trop long. Trop long. Non, c'est claqué de main. Ou après de main, c'est ça. Mais non, c'est trop long à vous expliquer. Mais vous êtes arrivé et pour les besoins de la situation, ben, j'ai dû improviser. Docteur, arrêtez de me prendre pour un idiot. Hein. Je sais que vous êtes copain avec le docteur Petitpont, là, mon généraliste. Écoutez, Bourassa, vous êtes en forme, en pleine forme. C'est menton. Il m'avait fait des examens la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il vous a dit, hein? Qu'est-ce qu'il vous a dit, petit pauvre? Mais rien, rien du tout, je vous assure. Les derniers temps, j'étais fatigué, c'est vrai. Je croyais que c'était à cause de... Mais il y a autre chose, hein? Il y a autre chose, hein? Il n'y a rien. C'est quoi? Les poumons? La prostate? Ah non, je sais. Je sais. C'est le colon. Le colon, oui. C'est le colon. Ni le colon, ni la prostate. Ah, si. Si. C'est le colon. Je le sens. Je le sens. Oui, c'est le colon. Ah, je le sens. En plus, j'adore le saucisson à l'ail. Bon. Écoutez, Bourassa, vous n'avez rien, strictement rien. Maman. Vous n'avez rien. Il part, oui. Vous n'avez rien. Il est rigolo, lui. Hein? Quitté par ma femme, après une journée de mariage. Perdu à l'Aragon, ni bien droit. Et puis maintenant, malade. Qu'est-ce qui me reste maintenant, hein? Finissons-en tout de suite. Oui, finissons-en. Allez.
C'est comme ça, la vie. Ça commence par une comédie. On croit qu'on va bien s'amuser, qu'on va bien rire. Et ça finit par un massacre. Adieu, mesdames, messieurs. Le clown vous tire sa révérence. Monde de mer. Allez, hop. Finissons-en. Mais ça vient pas. Avec vos petites mains carrées. Et pour mon augmentation,
savez, Toigny, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est à se demander pourquoi les riches en ont tant. Il faut absolument que je sache si personne rentre. Oui, le docteur n'est toujours pas là? Non, madame. Et c'est embêtant, j'avais rendez-vous il y a déjà plus d'une heure. Oui, mais repassez dans 5 minutes. Heureusement que c'est le meilleur psychiatre de la ville, sinon... Où est-il passé? Ah, docteur! Comment elle fait peur? Ah, docteur, vous pouvez pas me le dire. Allez, qu'est-ce que vous leur trouvez à toutes ces femmes? Écoutez, Bertie, nous en avons déjà parlé, vous êtes charmante. Ce matin, en arrivant, je me disais que j'étais vraiment bien chez vous. Et qu'est-ce que vous faites, Bertie? Oui, petit à petit, j'ai compris. Compris que j'étais faite. Bertie, il va falloir vous raisonner, hein. C'est déjà raisonné, docteur. Mais enfin, vous croyez un coup de tête? Mais c'est mûrement réfléchi, tout ça, vous savez. Oui, je vous observe depuis 4 ans, et je sais tout de vous. Oui, votre façon de parler, de penser... Votre façon de me regarder. Hein? Oui. Docteur, hein? Aujourd'hui, c'est une femme nouvelle qui vous parle. Oui. Et je ne crains plus de vous le dire. Quoi? Docteur, oui. Je vous veux. Oh! Bertie, vous êtes en pleine confusion des sentiments. Va falloir vous raisonner, vous reprendre. Ils ont travaillé là-dessus. Ah oui, docteur. Travaillons là-dessus. Hein? Mais travaillons là-dessus. Oh, hein? Merci. Merci. Nous allons reprendre nos esprits. Hein? Et commencer par un travail d'association libre. Ah oui. J'adore les associations. Là-bas, quand elles sont libres, les associations. Ouais, écoutez, Bertie, je vais tout ramasser. François. Un instant, oui. Ne restez pas là comme une saucisse, alors habillez-vous. François. Oui, j'arrive. Un instant, oui. Qu'est-ce que vous... Oui, un instant. Oui, un instant, oui, 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 oui. Ah, soumets-vous. Bon, allez, vite. Elle part avant. Restez, ne sortez pas. Restez cachés. Oui. Rassure-toi, je ne dis pas ça pour trouver un prétexte. Pardon,
écrasé. C'est plein de poussière. Mais pourquoi tu parles de poussière? Pourquoi je parle de... Mais parce que j'avais donné des ordres bon, des ordres clairs à la bonne, et regarde-moi ce travail. Oh ben ça va s'arranger. Il y a plutôt intérêt, hein. Achoum, à tes souhaits. Merci. Oh ben je t'en prie. Tiens. Ça va aller, hein. Ah ben comme tu veux. Bon alors qu'est-ce qui t'amène? Oh dis donc, tu n'as pas l'air très content de me voir, hein. Pas content de... Ah ben c'est bon sang, ça, ce que tu sois là, Sam. Mais justement, je voulais t'inviter à un dîner aux chandelles. Un dîner aux chandelles? Oui, mais bon, mais là, je suis pressé. Alors, dis-moi pourquoi t'es venu. Bah, pour une consultation. Une consultation? Bah, j'ai resté là combien de temps? Oh. D'accord, mais rapide. Bon, je vais me laver les mains. Viens avec moi dans la salle d'eau. Mais pourquoi? Oh, tu verras. On sera si bien dans la salle. Ah oh, bah non. Moi, je t'attends ici, hein. C'est dommage. Moi, je connais des gens qui viennent ici exprès pour visiter cette salle d'eau. Comme qui, Berthier? Elle me connaît. Et qui ça? Bah, Berthier, c'est bien son nom, ta secrétaire. Oui. Tu as l'air gêné. Il y a quelque chose entre vous? Quelque chose entre moi et... C'est quand même pas le même standing. Pardon, mais... Oui, bien entendu. De toute façon, ce n'est pas une fille pour toi. Elle a un joli visage. C'est vrai, ça. Elle a un joli visage. Oh, merci du compliment. Hein. Qu'est-ce que tu m'as dit déjà au sujet de cette Berthier? Une frustrée, c'est ça? Bravo. Ce dont elle a besoin, c'est d'un amant. Oh, on est bien d'accord. Mais c'est pas demain la veille qu'elle va en trouver. Hein. Je vais rester là entendre ça, moi. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Oh... Vois-tu, chérie, j'ai besoin de tes bras. J'ai passé une nuit extraordinaire. Oh, ça mourit. Oh, mais si tu veux. Mais c'est en rentrant que ça s'est gâté. Oh, mon mari ronflait à poing fermé, évidemment. Et moi, dès que j'ai sombré dans le sommeil, j'ai fait cauchemar sur cauchemar. Ce n'est pas grave. Bref, je voulais t'en parler à toi parce que tu es le spécialiste de l'interprétation des rêves. Mais toute la nuit, j'ai rêvé que mon mari me poursuivait. À chaque fois que j'ouvrais une porte, il était là. Et pendant ce temps, tous les objets autour de moi s'animaient, bougeaient, dansaient. Et moi, j'étais pétrifiée, chosifiée. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, non, t'as coupé tout le dimanche. Ah, oh, monsieur Berthier, mais qu'est-ce que tu fabriques? Elle est malade. Ah, ça, moi, je vois rien, hein. Oh, c'est mon cauchemar qui revient. Oh, dis-moi, François, dis-moi la vérité. Tu crois que je suis en train de devenir folle? Mais non, c'est normal, c'est même tout à fait normal. C'est une couverture en sphaille expansée. C'est que c'est vivant, cette petite bête-là, et au printemps, la sphaille expansée, eh bien, faut que ça erre. Elle est partie. Mais tu vois, elle est partie rejoindre les autres couvertures en sphaille expansée. Elles sont parties bramer dans la montagne toute la nuit. Oh, c'est si beau, le brame d'une feuille expansée. Oh, Francine, non, ah, Francine. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, mais je me mets à l'aise, hein, c'est la retombée du stress. Mais pas maintenant, pas ici. Oh, j'ai envie de toi, allez. Mais pas ici. Oh, mais t'as qu'à mettre la petite lumière rouge. Ah, bah manifestement, elle est pas l'état de marche. Oh, Francine. Oh, mais non. Oh, Francine. Oh, oh, puis merde, hein. Oh. Non, faut pas garder. Ma femme! Ta femme! Ma femme! François! Mais... Qu'est-ce que c'est tout ça?
Où sont mes vêtements? Je sais pas. Je ne peux pas le savoir. Mon mari. Ton mari? Non, non. Cette fois-ci, je rentre avec toi. Mais enfin, c'est incroyable. Enfin, tout de même, 10 mois d'attente pour avoir un premier rendez-vous, et voilà que maintenant, il faut attendre une heure de plus. Il a de la chance d'être le psychiatre le plus renommé de la ville, ce docteur Mariano. Allez, chérie, partons d'ici. Ah non, Lily, j'ai eu assez de mal à obtenir ce rendez-vous. Mais tu en reprendras un autre, allez. Ça a déjà été très compliqué de te faire admettre que tu étais kleptomane. On ne va pas encore remettre ça. Oh, kleptomane, kleptomane... Quoi? Tu n'es pas kleptomane, peut-être? Non, je vais mieux. Je vais même beaucoup mieux. Ah, tu vas mieux? On peut même dire que je suis guérie. Ça fait des mois, mais des mois que je n'ai plus... Guérie! Toi! Guérie! Je sais, hein, c'est surprenant, hein, mais... Rends-moi mon portefeuille. Pourquoi? Allons, ne fais pas l'innocente. Oh, excuse-moi, mon chéri, mais c'est plus fort que moi. Ah, oh, t'inquiète pas, chérie. Tu me fais les poches quand tu veux. Tu sais, elle en a de la chance, ta femme. Ah, je ne te le fais pas lire. Mais où sont mes vêtements? C'était où, tu sais? Mais j'en avais mis là. Qu'est-ce que tu as fait? Quel courage, mon enfant. Tout à l'heure, tu as entendu, c'était mon mari. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est pour nous deux? Oh non, penses-tu? Mais alors, il a peut-être pris rendez-vous? Oh, ce serait un comble. Dites-moi, vous portez bien le même nom, Bright? Bah, évidemment, puisqu'on est mariés. Ah ben oui. Bon, faut que je demande à Berthier si un certain monsieur Bright est arrivé. Oh, laisse Monsieur Bright tranquille et occupe-toi plutôt de Madame Bright. Mais c'est vraiment pas le moment. On peut débarquer à tout moment, mais surtout c'est ton mari. Mais justement. Mais justement quoi? Ça
pour avoir la situation est assez piquant comme ça. Oh, voyons, mon chéri, détends-toi. Non, mais non, mais non. Mais si, mais si, mais si. Mais non, mais non, mais non. Mais si, mais si, mais si. Allez, François. Oh, et puis merde. Pas de ça avec moi. Mais enfin, madame est ma patiente. Madame, veuillez confirmer à monsieur que vous êtes bien ma patiente. Oui, oui, je suis une patiente du docteur. Hein? Dans cette tenue? Ah oui, alors? Le psychiatre, que je sache, pas gynéco. Je vois pas le rapport. Tu veux peut-être que je m'excuse aussi. Bon, hé, tais-toi. Mais tu vois pas que tu la gênes. Bon, pour te dire la vérité, hein, j'ai vu au premier coup d'œil que c'était une vraie névrosée. Il s'agit même d'une psychopathe notoire. Mais qu'est-ce qu'elle a? Endophobie. Mais qu'est-ce que c'est? La peur maladive des vêtements. Non. Si. Quelle horreur! Elle supporte pas d'être habillée plus de quelques heures. Alors, au bout d'un moment, ça la gêne tellement que hop, elle enlève tout. Tout? Tout. Mais, tout. Oui. Tout. Oh non! Si. Quelle horreur! Justement, quand t'es arrivé, j'étais en train d'essayer de la raisonner. Oh, et moi qui suis entré comme ça? Mais bon, la petite lumière était éteinte, alors j'ai cru. Toutes mes excuses, madame. Veuillez pardonner mon intrusion et comptez sur ma discrétion. Merci, monsieur. Vous êtes très aimable. Michel, je peux toujours compter sur toi pour le prêt. Ah oui, bien sûr. Mais il faut que tu parles à Laurence. Elle s'imagine. Oui, je sais, c'est un malheureux malentendu. Qu'est-ce que vous tuez à lui dire? Allez, au revoir, chère madame. Enchantée. Positivement. Oh, pardon, François. Au revoir. Tu lui as dit quoi? Rien d'important. Ah ben allez, rhabille-toi. Où sont mes vêtements? Mais tu les as mis où? J'en sais rien. Mais je les avais mis là, mais qu'est-ce que je vais faire? Calme-toi. Oh, c'est Michel qui revient. Il t'a retourné comme une crêpe. Oh, ma femme! Ta femme? Oh. Il est avec une patiente. Où sont-ils passés? Avec une patiente, c'est un plus gros médecin, toi. Oh, mais il a encore disparu, hein. Ah, c'est curieux. Effectivement, oui. Avec toi, il a pu noyer le poisson. Mais avec maman, ce serait une autre limonade. T'en reviens? Bah, évidemment, je l'appuie juste après toi, qu'est-ce que tu crois? Ah bon? Ah bon? Eh bien, je vais y aller, alors. Hein? Mais comment ça, tu vas y aller? Mais on ne s'est pas encore expliqué avec François! Ah non, mais là, faut vraiment que j'y aille! Hein. Ah non! Tu ne veux pas voir maman, c'est ça? Vous vous êtes encore disputé! Mais pas du tout! Qu'est-ce que tu vas? D'ailleurs, passez donc dîner à la maison un de ces soirs avec François! Ça nous fera plaisir! Mais qu'est-ce que tu racontes? Je vais divorcer! Oh, tu sais, mais on a tous parfois sans preuve! Sans preuve? Oh, ben elle est bonne! Sans preuve! Oh, ma chérie! Oh. Je suis venue dès que j'ai pu. J'étais en plein bridge. Que se passe-t-il? François me trompe! Quelle ordure! Oui. On nage en plein vaudeville. Attention! Il y a des vaudevilles qui finissent mal. Jamais. Les vaudevilles finissent toujours bien. Les vaudevilles ne finissent jamais. Comment cela? Comme je te le dis. Chaque vaudeville a son dénouement. Ou la forme, par convention, par politesse uniquement. Mais le vaudeville,
C'est une force qui va. Un désir. Un désir, tu entends, Yvonne? Un désir incontrôlable, inexplicable. Un désir qui contamine tous les personnages et les pousse vers une dépense physique effrénée. Je vois que tu maîtrises bien le sujet. Alors, oui, l'auteur écrit un dénouement. Bien sûr, parce que le public veut une fin à l'histoire, n'est-ce pas? Mais je vais te dire, Yvonne, je vais vous dire, le vrai vaudeville, le vaudeville pur, le vaudeville ultime, ce serait celui qui s'arrêterait au beau milieu de scène. Comme ça, d'un coup, soudainement, arbitrairement, abruptement, hop, hido. Terminé. Car la vérité, c'est que rien ni personne ne peut arrêter le vaudeville. C'est un tourbillon d'énergie qui irradie les comédiens, qui irradie le public. Et en cela, je n'ai pas honte de le dire. Tu sais, être l'ami de mes fonctions par le Conseil national des universités. Le vaudeville est nécessaire à nos vies. Ça y est, t'as fini, là? Oh! Docteur Mariano, vous êtes là? Oh non, il n'est pas là! Mais pour vous, oh, il manquait plus qu'elle! Oh, maman, qu'est-ce qui se passe, là? Mais de quoi parles-tu? Oh, maman, je ne suis plus une enfant! Je vois bien qu'il y a encore de l'électricité entre toi et papa! Que veux-tu? Ce ne sont plus des soupçons que j'ai, mais des quasi-certitudes. Hein? Oh non! Oh non! Ne me dis pas que... Si, ton père me trompe! Oh! Oh, les hommes sont vraiment, mais vraiment! Tu l'as dit, hein? Ils sont vraiment, vraiment! Alors que nous, les femmes, on est tellement moins, mais tellement moins! Tout à fait, hein? Malgré ce que les féministes veulent nous faire croire, entre les hommes et nous, hein, il y a comme un... Oh, je dirais plutôt comme une espèce de... Comme une grande... Oh, exactement! Tu m'enlèves les mots de la bouche! Et papa, tu l'as pris sur le fait? Eh bien non. Ah, une de ces étudiantes? Mais je n'en sais rien. Oh, mais tu me parlais de quasi-certitude. Mais écoute, il a toujours des réunions tardives sur lesquelles, eh bien, il reste très évasif. Eh bien, maman, aussi vrai que je me déferais de François, nous mettrons les choses au clair concernant papa. Personne. Mais où sont mes vêtements? Tu les as mis où? Où sont mes vêtements? Mais je sais pas. Oh, mais ça, ça vous va très bien. François. Vraiment? Oui, c'est très, très dans le goût antique. François. Antique? Une couverture? Je dirais plutôt dans le style inuit. Mais inuit par la matière, mais antique par l'égypte. François! J'adore l'antiquité. Ces toges, ces banquets, ces orgies. Oh, les orgies. François! Eh bien, vous n'avez plus qu'à mettre une épingle. Et le tour sera joué. Oui. Et avec une épingle, ce
sera encore mieux. Mais ce sera mieux. Justement, au fond du couloir, il y a le bureau de Laurence. Tout de suite sur la droite, il y a une boîte d'épingles. Allez-y. Et vous pensez vraiment que ce sera mieux avec l'épingle? Oui, ce sera mieux. En ce cas, je vais. Et je reviens. François, tu me le paieras. Mais faire obéir. Et j'ai battu tout berceau, hein. Oh, ça fait un bien fou, ce truc-là, hein. L'enroulé. Qu'est-ce que vous êtes encore là pour un sol? Oh, mais par contre, je suis lessivé. François. Vous t'entendez? Non. François. Mais on vous appelle. C'est moi. Quand je me parle tout seul, je m'appelle toujours pas mon prénom. François, c'est une manie. Ah oui, c'est bon. Puisque vous êtes là, Bourassol, je tenais à vous dire, vous êtes comme un frère pour moi. Hein. C'est vrai. Oh, bah alors, vous avez plaisir ce que vous me dites là, vraiment. Mais c'est sincère, hein, je vous jure. Justement, j'ai un petit service à vous demander. Ah, oui. J'ai besoin que vous alliez dans les appartements, là-bas. Vous montez au premier étage. Deuxième porte à gauche. C'est la salle de bain. Vous l'ouvrirez. Et vous verrez au-dessus du panier à linge, il y a la patère. Pas de parterre, la patère. Il y a ma sortie de lit. Vous la prendrez et vous la porterez. Je vous demande pardon. Vous la prendrez et vous la porterez. C'est vrai? Oui. Oh, ben là, merci, mon cher. Hein. Oh, ben là, vous êtes vraiment très attentionné de votre part, hein, vraiment. Ah, oui, je sais pas ce qu'elle est attentionnée à demander ma sortie de lit. Ah, oui. Allez, dans les appartements. Bonjour, madame. Premier étage. Docteur Mariano, vous êtes là? Docteur Mme de Marcy. Vous m'avez vu? Très original, mais où avez-vous trouvé ça? C'est une robe couverture achetée aux Galeries Lafayette. Ça vous va, Ravi? Et vous avez vu les pins? Qu'est-ce que c'est? Une menthe religieuse. C'est une idée du docteur. Il me connaît si bien. Oh, je me sens très agrippée. Ah, Berthier. Est-ce qu'un certain monsieur Bright a pris rendez-vous ce matin? Ah non, mais il y a une certaine madame Lorenzo qui attend depuis un moment Coucou. Oh. Alors, Mariano, on se cache? Madame de Marcy. Ah, depuis quelque chose. Ah, mais c'est vraiment sans sens que vous soyez là, madame de Marcy. Vous auriez pu trouver mieux. Ne perdons pas notre temps. Berthier m'a montré votre slip face, c'est épatant. Vous me flattez. Je vais vous parler franchement. Je compte vous en commander 5. 5? Mais... Ah oui, oui, mais attention. Notre clientèle, vous le savez, vient chercher à Saint-Bernard la guérison du corps, mais aussi la guérison de l'âme. Bien entendu. Et permettez-moi de vous dire que je suis fils de catholique, petit-fils de catholique, et catholique moi-même. Oui, oui, je sais, mais depuis que je suis entrée ici, là, j'ai perçu comme une atmosphère de trouble, de discorde. Permettez cette question indiscrète. Entre vous et votre femme, tout va bien? Je ne veux pas le crier sur tous les toits pour ne pas faire de jaloux, mais... Mais Laurence et moi, nous vivons un bonheur sans nuages. Mariano! Oh, mais ma chérie! Espèce de salopard! Mais qu'est-ce qui te prend? Tu as le culot de me poser la question! Tu ne perds rien pour attendre! J'aurai ta peau! Mais chérie! Je peux vous assurer que tout le monde adore le cousin Mariano! Oui, vraiment! Vous êtes un vrai.
heures et nous allons aller prendre un petit rafraîchissement. Oui, eh bien, vous savez, avant le rafraîchissement, hein, moi je suis pas complètement aveugle. Hein, je vois bien qu'il se passe des choses ici, des choses par les catholiques de San Mariano. Un bourbon avec des glaçons tant qu'on y est? Oh, bah, avec plaisir, François. Monsieur Bright, je suppose. Et comment savez-vous cela, vous? Mais vous avez rendez-vous. Mais pas moi, ma femme, je la compagne. Votre femme? Enfin, pas exactement. Disons mon amie, Madame Lorenzo. Ah, votre... Et monsieur n'a besoin de rien. Merci, mon brave. Laissez-nous. Docteur, bonjour. C'est un milieu, ça. Bonjour, docteur. Bonjour. Je suis avec ma femme. Enfin, avec mon ami. C'est elle qui a rendez-vous. Mais puisque je suis là, avec vous, je voulais vous demander, dernièrement, lors d'un repas de famille, j'ai voulu demander à ma mère, passe-moi le sel. Intéressant. Et à la place, je lui ai dit, t'as gâché ma vie, salope! Qu'en pensez-vous? T'as gâché ma vie, salope! 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 Oui. C'est grave? Il y a du boulot, hein. Non, c'était pas grave du tout, hein. Non, vous avez fait ce qu'on appelle un lapsus. Voilà, un lapsus, oui. Je le sais bien, merci. Voilà. Le lapsus est un mot ou une phrase que nous prononçons alors que nous voulons dire autre chose. Eh bien, je connaissais la définition du lapsus, merci bien. Vous me demandez, n'est-ce pas? Alors moi, je vous réponds, voyons. Mais allons, ne vous fâchez pas. La prochaine fois, hein, ne venez pas me consulter, hein. Vous avez besoin d'un conseil, oui ou non? Hein? Oui, oui. Bien. Alors. Pour éviter ce genre de lapsus désagréable, mon cher ami, moi, je vous conseille, à chaque fois que vous verrez votre mère, de commencer par lui dire « T'as gâché ma vie, salope !» Comme ça, c'est dit. C'est fait. La tentation n'existe plus. Et vous pourrez parler d'autre chose. Oh là là. À chaque fois que je la vois. Oui, à chaque fois. Oui. T'as gâché ma vie, salope! Mais enfin, docteur! Docteur? Mais je ne suis pas le docteur, moi! Pas le docteur? Ben non! Mais non, je suis pas le docteur, non? Pas du tout! Mais alors? À qui ai-je donné ma veste et mon chapeau? Je ne sais pas, moi! Hein? Oh, il va vraiment pas bien, le garçon! Elle a perdu sa veste, son chapeau! Il me prend pour le docteur, il fait des lapsus. À mon avis, il y a des fils qui se touchent là-dedans. Alors. Ah. Ah, ben oui. Mais on connaît pas, c'est la femme de ménage. Ah.
un peu de détente. Alors. Oh, enfin une bonne nouvelle. Oh, clinique psychiatrique Saint-Mathurin. Pour une névrose guérie, deux psychoses offertes. Oh, mais faudrait que j'en parle à ce monsieur, là, qui fait de la puceuse, là. Ben oui. Toujours pas réapparu. Hein? Qui? Ben, Mariano. Non. Il a une maîtresse, hein, c'est ça, hein? Non. Ben, et vous êtes qui, vous? Un malade? Un ami, hein? Intime? Ah oui. Mon Dieu! Vous couchez avec mon gendre! Quelle horreur! Oh. Monsieur? Ah, oui, monsieur, bonjour. Je cherche Mariano. Ah, il n'y a pas là. Ça a été une erreur. Hein. Je me sentais seul et voilà, je voulais. Oui, moi aussi. Quittons-nous, bons amis. Oui. On aura au moins su se donner un peu de tendresse, hein, l'espace de quelques semaines. Ah. Mais oui, mais oui. Oh, Michou. Oh, Michou. Oh, Michou. J'en étais sûr. Me faire ça à moi. Oh, tout est fini entre nous. Oh. Ah, mais non, il va revenir. J'ai vais te... Oh mon Michou, ils vont prendre une. Bravo, je savais pas pour vous et Michel. Oh là, docteur, ne vous méprenez pas. Et mon bourbon, il arrive quand? Hein? Ah oui, mon four rose avec des glaçons, là. Oui, ça va bien, vous, là? Ah ben oui, ça va bien. Voilà le docteur. Ah, bon, allez, vous, on s'en attend. Allez. Mais il est long, en plus. Est-il possible d'avoir enfin un entretien? Ah, bien entendu. Et voilà. Où sont ma femme et ses parents? Enfin, ils appellent l'avocat de votre belle-mère. Pourquoi? Enfin, flagrant délit d'adultère. Flagrant délit d'adultère. Où est le machin? Hein? Le machin. Et le bidule. Ah, le truc. Oui, la chose, là. Le slip fast. S'il vous plaît, Bertie. Tenez. Mariano, j'irai droit au but. Alors, que vous couchiez avec Pauline, Pierrette ou Chantal, c'est contraire à tous mes principes. Mais je veux bien tout oublier. Et vous savez pourquoi? Parce que votre invention est géniale! Mais je vous préviens, ne poussez pas le bouchon trop loin! Vous en voulez combien? Combien de femmes? Oh! Une plaisante, une plaisante! Combien pour le slip fast? Ah! 8592 francs pièces. Hein? 8
1592 francs pièces. Ah ben vous vous mouchez pas du coude, hein? C'est un modèle unique. Bon, je vais vous en commander 5. 5? Oui. Oh. Vous pouvez me livrer dans 15 jours? 15 jours? Ah ben oui. Oui. Bien évidemment. Oui. Enfin, mais vous êtes sûr d'avoir le prêt de Monsieur Montagnac? C'est tout comme. Attends. Vous avez entendu? Non. Ouh, Mariano. Je suis de moins en moins convaincue par ce que je vois dans cette maison. Mais force est de reconnaître l'ingéniosité de l'appareil. Par ailleurs, je pense que nos fidèles, nos patients, seront fiers de savoir qu'ils sont entre les mains d'une technologie inventée par un médecin de haut niveau, quand même, catholique. Oui. Qui plus est. Bon, à défaut d'être fidèle aux principes de l'Église, officiellement baptisé, catéchisé, confirmé, reconfirmé, maman. Ah, c'est bien vous, le docteur. Oh non, le mari de Samantha. Le docteur? Oui, c'est moi. J'aurais voulu récupérer ma veste et mon chapeau. Pardon? Ah ben non! Kiki, ça suffit! Pas bouger! C'est mon caniche! Ouais! Kiki, pas bouger! Tu arrêtes maintenant! Papa, il est revenu, mais il n'est pas revenu tout seul! Il est revenu avec une dame qui a une belle clinique, et surtout un monsieur très sympa, qui s'appelle Monsieur Bright! Alors, tu bouges plus, là! C'est vous ce qu'il est intelligent, il comprend tout ce que je lui dis. Mais non, c'est ton mari. Il prépare un spectacle pour le prochain gala de psychiatrie, n'est-ce pas? Écoutez, on va le laisser continuer à s'entraîner, hein, d'accord? Et on va aller préparer le contrat à la main. Allez, venez, suivez-moi. Allez-y. Puis-je dire à ma femme d'entrer? Hein? Puis-je dire à ma femme, enfin, à mon ami de venir? Votre ami? Oui. Je vois, vous êtes de ceux qui jouent sur tous les tableaux. Mais pourquoi dites-vous cela? D'un côté une épouse, d'un côté une amie. Et comment vous savez cela, vous? Pardon? Eh bien, comment savez-vous que je suis également marié? Ah ben c'est ce que j'ai supposé, voilà. Vous avez supposé? Ben oui, dès que vous êtes entré, je me suis dit, celui-là, il a une tête à être marié. Alors quand vous m'avez parlé de votre ami, ben je me suis dit qu'il devait courir plusieurs lièvres à la fois. Et vous avez compris tout ça, rien qu'en voyant? Oui, mais enfin bon, je n'ai aucun mérite, hein. Ce sont des vieux restes de mes cours de physiognomonie. Vos cours de quoi? Physiognomonie. Mais qu'est-ce que c'est que cela? C'est la science qui permet de déterminer les caractéristiques psychologiques d'un individu à partir de son visage et sa physionomie. Intéressant. Ainsi, quand vous me regardez, qu'est-ce que vous voyez? Vous permettez? Faites donc. Maîtresse sur maîtresse. Qu'est-ce que c'est? C'est Kiki! Kiki? Mais oui, mon caniche! Ouais! Oh, Kiki! Ça suffit, hein! De toute façon, tu peux pas sortir maintenant, hein! Bon, oh, Kiki! Arrête, hein! Sinon, le dîner au chandelle que je t'ai promis, tu peux t'asseoir dessus!
Alors vous, vous emmenez votre caniche dîner au champ. Qu'est-ce que vous voulez, c'est un chien pour qui j'ai beaucoup d'affection. Qui a toujours été présent dans les moments très difficiles. Alors oui, j'emmène mon kiki dîner au chandelle. Ça vous gêne? Mais non. Non, mais vous quoi? J'ai bien emmené mon kiki dîner au chandelle. Vous trouvez bien votre femme, vous, hein? Oui, enfin si on pouvait éviter que ça se sache. Tiens, justement, si elle venait à la prendre, elle serait obligée de vous rendre l'appareil, hein? Impossible. Ah bon? Ça fait 10 ans que je fais ça. On me la fait pas. Les ficelles, je les connais toutes. À vous. Toutes. Allez. Je ne suis pas comme ces imbéciles de mari, là. J'en ai connu un qui accompagnait sa femme à tout nom. Elle disait qu'elle montait voir sa vieille mère grabataire et démente. C'était moi, la vieille mère grabataire et démente. Et le mari, lui, attendait en bas. Ah. Quelle stupidité, ce mari, hein. D'ailleurs, Samantha n'essaierait même pas. Elle sait très bien qu'en cas de flagrant délit, je n'hésiterai pas. Quoi, vous? Vous viendriez demander des comptes à son amant? Ah non. Je déteste ce genre de situation. Ça me gêne affreusement. Mais j'ai un revolver dans ma table de nuit. Vous tueriez votre femme? Mais non. Je ne chargerai pas mon arme. Je la sortirai. Je la ferai briller. Juste pour rappeler à ma femme que je l'ai. Et c'est malin, ça, oui. Par contre, son mec, ah, lui a le droit. Oh. Ah, je garderai mon arme avec moi. Ah. Bien chargé. Oh. Et à chaque fois que je verrai, je lui tirerai pas dans la gueule à cette pourriture. Je finirai bien par le tuer. Mais ce type est dangereux. Donc, puis-je dire à mon ami d'entrer? Oui, bien sûr. Merci, docteur. Il est fou. Alors, ce salaud me trompe. Bah, écoute, tu vas quand même pas lui jeter la pierre. Mais moi, j'ai une bonne raison de le tromper, mais pas lui. Bon, écoute, file par la porte de service et te fais pas remarquer. Hein. Et puis, oublie pas tes vêtements. Allez. Docteur? Madame Lorenzo. C'est toi, Biloute? Cracotte. Les hasards de la vie. Oh, on en a fait des soirées. Tu faisais médecine, on avait quoi? 18, 19 ans, en tout cas ça. Oh, Biloute d'amour. Oh, allez, arrête de m'appeler comme ça, je suis devenu un psychiatre renommé maintenant. Excuse-moi, je ne te connaissais que sous ce nom-là, et tout le monde t'appelait comme ça d'ailleurs. Allez, écoute, appelle-moi François, c'est mon prénom. Eh bien, si tu n'es plus Biloute, je ne suis plus Cracotte. Je suis Madame Lorenzo. Et t'es venue me consulter? Oui, j'ai quelques petites légères tendances cleptomanes. Non. Si. Tiens d'ailleurs, je te volais ça sur ton bureau. Bon, ça alors. Et t'es fixée maintenant? Oui, je me suis mariée. Non. Si. Oh, avec un imbécile de première. Oh. Et puis au premier jour de lune de miel, je l'ai quitté. Pour un banquier. Oh. Et puis j'en ai eu assez, alors... Alors tu as mis le tabac sur Bright? Exactement. Il paraît que sa femme est une vraie plaie. Non, sans rire. Une vraie pile nerveuse de genre hystérique, quoi. Oh, il veut divorcer, il me parle même de mariage. Enfin bon, on verra bien, on n'est pas rendu. Hein. Mais je suis vraiment contente de le voir. Oh, ah d'accord. Ah, j'ai compris. Ah, c'est pour ça que tu voulais que je parte. Hein. Tu en vois une autre, c'est ça? Qui est-ce? Une patiente en duophobie, ne fais pas attention. Écoute, Samantha, tu vas rentrer gentiment chez toi et je t'appelle ce soir. Pourquoi tu me traites comme ça? C'est ta nouvelle conquête? Mmh. Quoi? Bah, je vous en prie, je suis une patiente et je viens consulter enfin. Ah non, celle-là, faut pas me la faire. Je vous demande pardon? Mais Sam, je t'assure. Ah, j'aurais jamais cru ça de toi. Eh, hein. Hey, dis donc, mon petit Biloute, quand on reçoit sa poule dans son propre cabinet, il faudrait peut-être éviter ce genre d'affront de ce style à tes patientes. Une poule, hein? Une poule? Mais non, elle parle pas de toi. Je suis une femme respectable, moi, madame. Et monsieur est mon docteur. Ben voyons. Absolument. Et la preuve, c'est que je suis venue avec mon mari. Votre mari? Eh ben, je serais bien curieuse de le voir. Et vous allez être servir. Non. Accompagner en salle d'attente. Non. D'ailleurs, j'entends son pas. Non.
dit que j'étais perdu. J'ai une liaison terminée. Soit il me signe cette convention, soit je le fais. Ma femme. Alors là, c'est bloqué. Alors maintenant, tu ne te caches même plus. Et Laurent, je vais t'expliquer. Oh, mais tu t'expliqueras au tribunal. Au tribunal. Oh. Attends, Laurent. Reviens. Laurent. Qu'est-ce que je fais au sol? Bon, mais François, mon bourbon, il est où là? Ah. Bon, j'ai choix. Vous tombez bien. Tenez-moi 5 minutes. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Ma femme. Ciel. Mon mari. Ma chérie. Tu m'as retrouvé, espèce d'enfoiré. Ah. Mon amour, une maîtresse, ça ne te suffisait pas? Il t'en faut combien, obsédé? Mais écoute-moi, moi! Oh, parce que maintenant, faut que je t'écoute! Non, mais tu te fous de moi, là! Écoute, je demande pardon, j'ai fait une erreur! On se reverra devant le juge! Je vais te massacrer! On passera, Laurent! Docteur Mariano! Moi, vous, deux! Explique-moi ta tenue. C'est pour mon traitement. Quoi? Tu es une patiente du docteur Mariano? Mais c'est toi qui m'as demandé de le voir. Et tu veux que j'avale ça? Tu couches avec lui? Ah, c'est toi qui me trompes avec cette salope. Mais depuis quand on se fout à poil chez son petit? Docteur Mariano! Oh, la salope! Ma chérie! Mais pourquoi tu m'as laissé tomber comme une vieille chaussette? Hein? Tu n'as rien dans le froc, espèce de... Mais si, regarde! J'ai encore quelque chose, hein? Ah ouais. Moi, j'ai besoin d'un coq au réveil tous les matins, pas d'un petit pigeon! Tu peux vendre un bichou, hein? Il dit pas toujours ça, hein? Michou! Docteur Mariano! Tais-toi! Oh, mon Michou! Pour ma femme, quel cochon! Écoute-moi, c'en est une erreur! Oh, ben non! Pardonne-moi! Jamais! Je t'invite à mettre les voiles et n'oublie pas la vapeur! Yvonne, laisse-moi t'expliquer! Que tu couches avec des étudiantes et des hommes? Quelle horreur! On se sent repart depuis si longtemps, alors! Demain, ta valise sera sur le trottoir! Adieu! Oh non, pas ça! Docteur Mariano, quand même! Vous deux! C'est qui ton amant? C'est lui! Ah non, c'est lui! Non, c'est lui! Oh, ma mort! J'en ai ta peau! C'est la secrétaire. Elle ne m'a pas vu. Dites donc, vous. Vous m'expliquez ce qui se passe ici? Eh bien, une hypnose. Eh oui. Le slip fast, invention du docteur Mariano. Si vous voulez sortir le sujet de sa transe, eh bien, il suffit d'activer deux fois son appareil et de dire... Intéressant. Même si, visiblement, il n'a pas fonctionné sur moi. Mais à ce propos, c'est peut-être une bonne opportunité qui s'offre à moi.
quand nous chanterons le temps des cerises, le guérantie. Qu'est-ce qui m'a... Ils sont tous passés au Slipfast? Et où est Berthier? Elle vient de sortir. Ah, c'est elle qui... Bon, monsieur Bright, écoutez, au sujet de votre femme, je voulais vous dire... Docteur! Hein? Épargnez-vous de vos mensonges. J'ai négligé sa menton. Alors, elle s'est tournée vers lui. Quoi de plus naturel? Mais je suis prêt à oublier ma maîtresse. Et à former de nouveau un vrai couple avec mon épouse légitime. C'est vrai, ça? Ainsi, je pourrais me débarrasser de cette pauvre hystérique. À condition que vous la rendiez, disons, plus ardente. Plus ardente? Vous voulez dire qu'avec vous, elle ne l'était pas? Voilà qui m'étonne, parce que... Mais parlez-moi les détails! Pardon. Avec Samantha, vous n'avez pas connu ce poison qui mine les couples. Mais lequel? L'habitude. Bon. Écoutez, nous allons remédier à ça. Samantha, quand tu te réveilleras, tu seras folle, amoureuse de ton mari. Faut décrocher. Et tu m'auras oublié illico. Cacahuète! Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour. Oh mon chéri, vite, rentrons à la maison. Tu pourrais quand même dire au revoir au docteur. Monsieur? Madame? Dépêchons-nous, j'ai très envie d'être près de toi. Décidément, le Slipfast a beaucoup plus d'applications que ce que je pensais. Bon, assez joué. Laisser plus longtemps dans ce coma pourrait être dangereux. Mais avant, j'ai une petite idée. Michel. Cacahuète! Elle avait des tout petits petons. Valentine, Valentine. Elle avait des tout petits petons. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je t'ai hypnotisé avec ça. C'est l'invention dont je t'ai parlé, le Slipfast. Oh, incroyable! Au fait, bravo. Toi aussi, tu fais des invisibilités à ta femme? En plus, avec un homme? Bourrassol? J'avais. Mais bref, t'inquiète pas, j'ai compris. Hein. Dis-moi, c'est Yvonne qui doit être contente. Hein. Ne m'en parle pas. Tu sais... Elle pourrait tout oublier, grâce au Slipfast. C'est vrai? Oui. Oh, François, tu me sauves la vie! À une condition. Que tu me donnes l'argent pour financer cette avancée technologique. Combien? Disons... 100 000, pour commencer. Tu sais que j'ai toujours cru en ton génie. Bon, je ne mets pas d'ordre. Tiens, quant à Laurence... Elle s'en remettra. Oui. Ce n'est qu'une femme, après tout. Bon. Avec le Slipfast, c'est simple. Tu diriges vers Yvonne, tu donnes tes directives, et pour la réveiller, tu dis... 100 000. Yvonne, dans quelques instants, tu vas te réveiller. Tu ne soupçonneras plus jamais ton mari d'infidélité. Cacahuète. Froufrou, froufrou, sous son jupon la femme. Froufrou, froufrou, de l'homme trouble l'âme. Oh, oh te voilà. Oh, je suis contente de te revoir. Yvonne, allons réveiller notre fille. Papa. Cacahuète. Puisque vous partez en voyage, puisque nous nous quittons ce soir, mon cœur est en apprentissage. Je vais sourire avec courage. Oh, je suis humiliée.
Jamais tu ne me reverras. Laurence, je t'en prie. Je veux que les choses aillent vite, hein, et je ne veux plus jamais entendre parler de toi. C'est vrai? Oh que oui. Alors je te laisse le cabinet et je m'en vais. Bah oui, vas-y. Oh, le goujon! Je ferme le cabinet. Bon. Je vais réveiller les deux petits tourtereaux, là. Allez. Cacahuète! Oh! Oh! Viens, poupou, le viens, poupou, le viens. Viens, je t'emmène. Oh ma chérie, je suis content de te revoir. Oh oui, je ne te poserai plus aucune question, c'est promis. L'important, c'est que nous soyons tous les deux réunis, voyons ma belle. Oh, allez viens. Je vais te montrer notre grande maison, oui, wow. Avec deux chambres. Oh, là, là. Et puis un grand jardin, tu vas voir, de 14 mètres carrés. Wow. Et puis, tu sais ce que j'ai mis au bout du jardin? Des pigeons voyageurs. Oh là là. Oh, et puis, juste à côté de la maison, tu verras. Il y a un petit bistrot, c'est super sympa. Wow. Allez, viens. Mais comment ai-je pu refuser autant de bonheur? Oh, allez, viens poupoule, viens poupoule, là. Viens, je t'emmène. Bon, il ne reste plus que Madame de Marcy. Cacahuète. Cela fait beaucoup pour une invention qui n'est pas fiable. Pas fiable? Mon slip fast! Monsieur Bright, soyez raisonnable! Mais je ne dis que la vérité, il n'a pas marché sur moi.
Ah bon? Berthier a réussi à hypnotiser tout le monde, sauf moi. Mais ça veut dire que l'effet hypnotique de la machine ne marche pas sur tous les patients? Mais c'est affreux! Monsieur Brett, il faut absolument que vous reveniez pour que je puisse faire des tests sur vous. Volontiers, si c'est pour la science. Ah, n'est-ce pas? À condition que cela soit rémunéré. Rémunéré? Vous voulez combien? Disons 100 000! Pour commencer! 100 000! 100 000! 100 000! 100 000! 100 000! Bah vous mettrez l'ordre vous-même, hein. Ah, docteur! Je vois que ma femme, en jetant son dévolu sur vous, avait une idée sur un vrai gentleman. Avec ça, je vais pouvoir m'acheter plusieurs nouvelles vestes et plein de jolis chapeaux. Ah, t'es pas tête. Qu'est-ce qui va plus se passer? Ah, tenez, de Marseille a signé le contrat, vous permettez, je vous appelle François. Bien sûr, au point où on en est. Vous savez, François, je viens de vous faire réchauffer une boîte de macaroni. Docteur! Docteur! Eh, je crois bien qu'il est... Oh, je vais peut-être le laisser comme ça, hein. C'est encore comme ça qu'il est plus à son avantage, je trouve. Françouille? Françouille? Allez, fais-moi le chien! Thank you.
avons eu l'immense plaisir de vous interpréter un texte de Rivoire et Cartier d'après une œuvre de Georges Feydeau. Mais c'est un patient incurable qui a fait la mise en scène, monsieur Daniel Briand. On remercie aussi tous les acteurs de l'ombre pour les décors, pour les entrées. Au son et à la lumière, on a Nicolas et Stéphane. Bonjour. Nos maquilleuses Isabelle et Marjorie. Ouais. Plaisir chaque année à vous retrouver dans une salle pour 2 heures à peu près de théâtre amateur. Toute l'équipe, la troupe, mais aussi les acteurs de l'ombre et l'association vous remercie pour votre fidélité et votre enthousiasme. Merci. Nous avons aussi beaucoup de plaisir à avoir depuis quelques années une personne qui nous est très importante dans notre activité théâtre. Il fait partie des acteurs de l'ombre pour nous mettre à la lumière. Il a 40 ans aujourd'hui. Quelques minutes à nous accorder, eh bien ce sera à l'entrée du théâtre. Cela vous permettra, mesdames, si vraiment c'est nécessaire, d'avoir le numéro de téléphone privé du docteur Mariano. Oh. Ah, voyons. Alors bon, à tout hasard, je dis bien à tout hasard, j'ai aussi un numéro de téléphone. Moi de même, il y en aura pour tout le monde. Oh, les hommes sont vraiment, mais vraiment, hein. Oh, j'ai marre, j'ai... Oh.